Militaire et sélection nationale, moins de 20 ans, moi j'ai avec moi un jeune garçon qui va le présenter. Et vous dire qui est ce? Non, moi, c'est Ganel Gay. Moi j'ai 19 ans. Je suis dans São Paulo, au Brésil. Ah, on est à l'Académie São Paulo, au Brésil? São Paulo, au Brésil. Je suis dans Ivin. Comment vous arrivez là? Expliquez-nous comment vous êtes. Ah, moi fait à Ken, Haïti, moi fait à Ken, moi t'ai allé pour tout coin ça avec un an, j'aime te gagner un an. Moi t'as vu mon cafou, moi c'est mon cafou. J'aime te cafou, moi t'as vu un Jacques football passion, bon quand c'est mon connu, Jacques football passion. Le fini, moi t'ai allé au Brésil avec 14 ans, moi t'ai allé au papa ma, j'aime te vivre au Brésil, moi t'ai allé au anglais mieux. Mon anglais mieux, t'es même t'as joué. Yo même, moi yo te mette dans Grêmio. Kounya, lèm te al dans Grêmio, moi te sent dans Grêmio, lèm te parce que mon pas ka jouer, pour parce que m pa gen papier. Lèm te sent dans Grêmio, moi te ajoute dans l'autre équipe qui gen Brésil ka jouer dans deuxième division Brésil. Lè fini me sortir là dans l'autre équipe là, moi te ajoute dans São Paulo qui est Ivin, qui est première division équipe Brésil là. Revoir l'équipe, ça c'est pour vivre dans le niveau professionnel, c'est un contrat. Rêve, mais pour moi, j'ai un contrat professionnel déjà. Mais rêve, pour moi, j'ai une première équipe là, pour moi, j'ai un autre contrat professionnel avec. Viser l'Europe, exactement. Pour moi, j'ai un autre pays. C'est ça. Mais on a une sélection nationale là, et puis, coach après un stage, il choisit. Comment vous vivez le fait que vous convoquez pour compétition? Ah, moi, je suis content que ça a un rêve lié pour moi. Ça on rêve lié pour moi parce que depuis petit monde m'était rêvé ça m'était dans l'objet m'était regardé Haïti depuis ce m'était dit faut manger dans sélection Haïti faut manger grâce à bon Dieu moi venir ici là coach Charles Lemon m'était content peu m'était dit mais on m'pral vivre rêve moi m'pral faire rêve moi m'était content peu mais elle choisi moi m'était content peu. Est-ce que tu as un doute parce que tu as une concurrence dans poste notamment ou tu as un doute? Oui m'était gain. Par moment, on a des doutes que vous avez de balle. Oui. C'est ça. Mais quand il y a eu là, Haïti, non groupe qui gagnait la dernière, et Mexique, Panama, Guatemala. Comment vous voyez Haïti dans le groupe ça? Ah, nous avons tombé dans n'importe quel groupe que nous avons voulu mettre. Parce que j'ai une équipe qui a travaillé là. Nous venons ici nous là depuis les trois. Nous avons travaillé en pile. Et l'équipe là, nous avons travaillé, nous avons fait tout ça, coach a demandé nous. Équipe là bon, moi crois en pile dans équipe là, nous pourrons jouer avec compétition. Nous pourrons compétition en pile parce que l'équipe là n'a pas travaillé en pile pour football, ça n'a pas travaillé en pile pour jouer ça, n'a pas prendre jouer ça en pile. Me senti groupe là soudé, nous entendons assez bien que tu gagne concurrence, mais nous très soudés entre nous-mêmes. Oui, nous t'es parce que l'équipe là a travaillé en pile, monde qui travaille en pile, il y a des résultats. En bien équipe là travaille en pile. N'attendons ça, nous venons là depuis les trois. N'attendons juste ça, parce que les joueurs viennent, nous prenons dans le terrain, nous battons tout ça. Quand on a un monde qui est content, ou interview ça, c'est Jaco. Ou continuez vous dire? Ah, moi, je suis dit Jaco, merci un peu, parce que les jeunes équipes ici, je suis là, je suis dit pour te mettre dans l'équipe là. Je suis dit, c'est un jeu de boule. Je suis dit, monsieur, oui, monsieur, c'est bon, tout bagage, pour te mettre dans le club là. Mais c'est pas même fait un peu. Nous avons un club bien gratuit. Nous sommes en casa, nous sommes en pile pour bailler ça. Mais vous avez un cousin qui va tout. C'est là que vous découvrez que c'est cousin. Guy est cousin, monsieur est cousin, monsieur est mon content en pile. Mon content en pile, monsieur vient, monsieur passe, monsieur est avec nous parce que monsieur est un bon joueur. Il n'y a pas les derniers qui nous en pile, moi qui crois sur ça. Comme dernier mot, qui sont les petits peuples haïtiens avant la compétition de démarrer? Ah, qui sont les petits peuples haïtiens pour eux? Pour mettre confiance en nous parce que l'équipe travaille en pile, pour croire en nous, parce que nous pouvons faire ça pour payer, pour nous, pour la famille, pour tout le monde qui est Haïti. Merci beaucoup, Ganel. Merci. Coach Angelo Jean-Baptiste, nous avons avancé vers la fin de camp de préparation sélection nationale U21. Est-ce qu'on est en mesure pour faire un bilan de stage ça pour nous? Bon, nous arrivons là depuis les trois, ça veut dire que ça fait 14 jours depuis nous là, nous travaillons. Nous avons 25 joueurs sur place. Nous avons gardé 20 et puis nous avons gardé Wagner qui vient joindre nous le 21, jour match Mexique. Là. Dans l'ensemble, nous sommes capables de dire que la préparation est très positive.
Nous travaillons, nous apprenons, nous découvrons ces joueurs qui partent là dans ça nous fait Saint-Kitts. Et qui viennent là, qui imposent, ils prennent place. Il est très positif pour le pays hein, et il est très positif pour l'équipe senior et l'équipe U20 qui va défendre Haïti. L'équipe a disputé 3 matchs, il a remporté tous les 3 matchs. Est-ce que c'est ou qui équipe par là qui était très forte ou adversaire qui était faible? En un mot, premier match nous deux jeux contre une équipe U23, c'est une équipe qui t'a préparé début de saison, même pas qu'elle était prêt à 100% pour jouer match là, mais nous même tout nous sommes une équipe qui a préparé moins quoi que adversaire en unité détail, même quoi nous même nous étions plus fort sous des premiers matchs. Troisième match nous jouons là, nous jouons une opposition qui était quand même féroce et nous croyons que c'est à peu près ça. Nous allons rencontrer dans la compétition. Nous devons jouer contre une équipe U23 qui a gagné 6 joueurs, première équipe qui a raté ou qui n'a pas joué la veille, qui vient jouer avec eux, qui a renforcé eux. Donc nous goûtons à peu près ça. Nous allons affronter dans contre CACAF. Est-ce que c'est la meilleure opposition nous avons gagné? La réponse non, c'est oui. Est-ce que nous sommes capables d'adapter nous pour ça qu'à venir? Nous croyons que oui, parce que là, non seulement nous travaillons en pile en pratique sur le terrain, mais là, nous avons commencé à présenter, monsieur, modèle des genoux, vous voyez, vous comprenez, vous appliquez, non seulement vous appliquez dans le match là, ça nous peut présenter là en théorie. Nous avons espoir que nous sommes compétitifs, nous avons un groupe qui est soudé, nous avons une belle harmonie dans le groupe malgré que nous avons des joueurs qui quittent parce qu'ils ont été blessés, qu'il y a un tout qui quitte parce que bon. Nous avons joué sur place qui est plus avancé que vous. Et joué ça, je m'a profité pour me saluer, je remercie parce que vous êtes venu essayer avec nous. Ce sont une série de joueurs qui sont capables éventuellement de réintégrer la sélection nationale. Surtout ceux qui partent sous blessure. Je pense à Carl Laurent, je pense à Alex Alisson de Champagne, je pense tout avec Anthony Nunes, je pense pour continuer le travail. Était en forme et se récupérer parce que c'est un projet qui est sous quand même 2 ans et l'équipe senior attend nous. C'est ça. À quel niveau stage a été permis ou arrêté sous choix final 21 joueurs? Bon, en fonction des matchs nous jouons, nous voyons qui jouait qui fonctionnait bien avec l'autre parce que nous formons nous étions un bon noyau, qui jouait qui était 5 qui était. Sans compter les joueurs qui Haïti qui va venir, mais nous connaissons nous gain Belmar qui a joué déjà avec l'équipe senior. Les nous voyons un joueur tant que Julian Bretus qui a joué à Atlanta United qui a commencé la saison avec la première équipe. Même si M. Fett en 2007, son joueur qui est très très solide, qui défend bien, qui passe en pile ballon. Donc nous comptons, nous gain Julian Bretus, nous gain tout. Sean Brun, qui a joué défenseur central dans Seattle Sanders, qui est capable de jouer à la fois défenseur central et latéral droit. Nous, elle entend très très bien avec Jalen. Donc, ça a poussé nous à faire une série de choix pour le bien de l'équipe. Coach, nous venons de la choix final, 21 joueurs. Oui. En nous faisant parler, nous citer au moment où après 14 jours de détection et de préparation, voilà la liste des 21 joueurs qui vont représenter l'équipe nationale U20 d'Haïti. Gardien des buts, Tony Algarve, Jérémy Sano, Jonah Gavin Medna, défenseur, Deryl Edmond, Jelen André Vilsin, Mendel François, Jordi Moncler, Christopher Jean-François, Julian Bretus, Sean André Brun, milieu de terrain, Kaif Ashley Joff Tomlinson, Jacob Joseph Belmar, Darrell Nicolas Etienne Jr., Ganaël Gay, Olbran Lee Misbury Gay, attaquant Nelson Guichard Pierre, Ricardo Sidney Marcus Wagner, Gisli Edler Alexandre, Brian Destin, Seth Pardin et Isaïe Louis.